Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Évidemment, ça faisait déjà quelques jours que je ne vous avais pas sorti de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps de jouer moi-même. Donc, vu que là, je fais un petit combat, voire même deux avec le psychopompe, ça dépend. Si je gère facilement le chevalier de l'As, donc, comme vous le savez, je suis en pleine phase de quête des justiciers, j'ai pas grand-chose à faire, juste. Cette quête en fait à faire chaque semaine, chaque jeudi du coup. Et du coup en fait à chaque fois il me donne un avis de recherche différent que je dois faire. Donc avec le Kra, avec le Yop et avec les Nids, j'ai le Chevalier de Glace, et avec le Panda et le Zobal j'ai le Psychopompe. Et du coup bah dans 6 à 8 semaines, quelque chose comme ça, j'aurai, enfin non plutôt ouais, 8 semaines, j'aurai mon ornement. Accepter. Mini ici. J'ai un petit changement de place. Voilà. On va voir ce que ça donne. Justement, c'est pas très dur. Ah, sinon, bah, niveau succès, il manque plus que l'élevage, des duos, quelques duos extrêmement durs, si j'ose dire, avec un Kra surtout. Midas duo, Reine des voleurs collants duo, Protozoa, même tous les succès proto. Et puis voilà. Donc là, il a décidé de faire le malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Sans dommage, on s'en fiche. Hop les. Ah, c'est pas mal ça. Je pensais qu'il avait carrément. Il a pas poussé. Ok. Il a plutôt attiré quoi. Je vais carrément me ranger dans ma zone ici. Par contre, là, je vais jouer full soin parce que je sais que. Je sais qu'il tape très très fort. Donc, hop, on va essayer de terminer ça assez rapidement. On va carrément lui offrir le choix de pouvoir passer. Ah, s'il vient, alors là, je rigole. Je me marre. Allez, viens, viens par ici, juste pour taper mon petit apocac. On va le voir ici, là, logiquement. Ah, ouais, il est pas venu. Ah, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est con. Par contre, il s'est débuff et il a mis son châtiment dégueulasse. Du coup, je vais devoir. Hop, plus double vue. Et ensuite, je vais carrément le remettre dedans, le pauvre. Et oui, car je le rappelle. En fait, non, on n'explose pas tout. Mais alors, lui, je vous assure. Qu'est-ce qu'il est. Ouais, bien joué, il a quand même mis la glyphe. Je vous le rappelle pour. Enfin. Comment dire. Si on lui kick des PM, si on le pousse. Là, je vais faire un petit tir critique. Si on lui kick des PM ou si on le pousse, on le rend vulnérable pendant 2 tours. Donc c'est vraiment pas top. Là, du coup, je vais la jouer full soin. Hein. Donc là mon Yap il va la jouer full érosion parce que prochain tour ça va faire bobo. Essayer de le finir peut-être, c'est possible. Donc là voilà, il se prend quand même pas mal de dégâts avec un hein, avec ses petits. Comment dirais-je? Avec les petits murs de glyphes. D'ailleurs vous avez été plus de 127 à liker ma dernière vidéo, c'était la vidéo quoi déjà? Ah oui, c'est la vidéo justement sur la mage 2.27. Et ça fait un plaisir. Du coup, je vous avais promis la suite du montage. Mon histoire de A à Z. Et je vous la ferai. Cependant, ça risque de me prendre pas mal de temps. Parce que j'ai pas encore fait grand chose. Je dois l'avouer. Hein. Je dis toute la vérité. Rien que la vérité. Et bah.
À dire que ça prend pas mal de temps. Attention, non. Ah, dommage, j'aurais peut-être pu tout faire péter. J'ai pas envie de prendre le risque avec. Avec flèche glacée. Bon, qu'est-ce que je fais le kill? Non, je vais plutôt assurer le soin. Que j'en suis, je peux. Bref. Oh non, c'est non. Trop tendu là. Donc. Ouais, non, en plus, il a pas les pressions. À cause du debuff. Par contre, il veut pas crit, hein. Ah ouais. J'ai mis mon tutu, oui. Ouais, j'ai mis mon tutu, j'ai absolument tout mis, mais il veut absolument pas crit. Donc 7000 points de vie. J'ai Altru, mais ça c'est pas un souci. Ouais, il veut vraiment tuer ma recrue, je suppose. Ouais, 1800 points de vie. Faut pas que je puisse le laisser à côté. Donc là, on va taper. Pas de crit non plus. Je pense qu'il va y... Ah, attendez. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, cette recrue, elle est trop conne. Elle fait exploser ses bombes. Et du coup, après, bah, si elle fait exploser les bombes à côté de mes alliés, ça fait mal. Ok, ouais, 1500, 1500, ouais, c'est parfait. Logiquement, je le finis sans souci. Encore une fois, il veut pas me laisser la zone... Donc, no crit. Mais il se passe quoi avec les crits? Non, franchement, je... Je comprends pas. Les crits ont été désactivés ou quoi? Donc là, Manini a fini peut-être. Non, bah non. J'avais oublié. Je suis 1 sur 2, mais le 1 sur 2 est inexistant. Donc, ouais. Tu veux pas crit non plus? D'accord. Ouais, non, c'est. Je sais pas, c'est peut-être un bug a priori. Donc voilà, je l'ai fini. Ah, quoique, j'ai eu la feuille de formulaire remplie. Même avec le panda qui avait. le psychopompe. C'est sympa ça. Ah bon, du coup, j'ai mon The Ball. À faire passer le psychopompe. Bah, au pire je vais le faire devant vous hein, comme ça je vais vous montrer comment poune un petit psychopompe tranquille. Mais bon, c'est The Ball, enfin je dois prendre le The Ball. Du coup je vais enlever Lenny par exemple vu que le soin est inutile. Donc voilà, la quête est terminée. Logiquement j'ai une quête de plus sur la base des justiciers. Ça pas encore, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai une recrue encore une fois explosive. Donc normalement les prochaines fois j'aurai les 4 là. Et puis bah là voilà. Du coup le Yop aussi c'est terminé. Et je parie qu'il y aura des personnes qui m'auraient posé la question en fait. Est-ce que j'aurai l'ornement justicier sur tous mes persos? Oui absolument, sur tous mes persos. Car j'ai fait les quêtes d'ailleurs assez récemment. C'était dimanche ou samedi, je sais plus. Les quêtes, j'ai fait, voilà, c'était les quêtes là. Puis c'est tout. Bah, du coup, après, il me reste que ça. Hein. Il me reste que ça. Et puis, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, panda, yop, ok, c'est fait. Du coup, là, je vais aider mon petit zozo. Je vais prendre le crabe parce que ça tape fort, terre. Et puis, Lenny, je vais, je vais pas la prendre. Du coup, je suis obligé de prendre le zozo. Je vous explique brièvement, le psycho, si on soigne, on est OS, voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Donc. La map là, elle était pas comme ça la dernière fois. Ah non, ouais, quoique, c'était l'autre map en fait. C'est tout à fait normal. Ouais, finalement ça va peut-être être tendu, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait un petit salut là. Cool. Alors lui il rox énormément. Ah là, mon panda il a déjà. Il y a. Ah oui, pour le rendre. Ah ouais, d'accord. Il est sympa lui a priori. Hein. Ouais, il faut que je le bloque normalement. Faut que je puisse le bloquer. Ouais, je l'ai vu directement. Je vais peut-être même préparer carrément la coco. Au préalable. Là, il faut dire que je l'ai vu. Oui,
regardez, il a quand même mis direct presque 1000 life, hein, c'est pour vous dire. Donc pour le rendre vulnérable, il suffit de lui kicker des PM, tout simplement. Là c'est pas mal, il a réussi à faire quelque chose, on va dire. J'essaie de le jarter de là. Ah, pour tout simplement le kicker des PM tout d'abord. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, et une petite cinglante pour qu'il la ferme. La coco, ouais. Je suis un peu obligé de la préparer. Par contre, il va falloir que je me casse de là. Hop, une petite coco. 2200, ça fait plaisir, mais bon, il a des faiblesses. Il me semble ouais, qu'il tape vraiment fort. Donc, il vaut mieux bien la jouer sur les boubous. Et puis c'est tout. On va voir ce qu'il va faire. J'ai vraiment peur. Il fait peur. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se donne des PA depuis quand? Je savais pas. Il y a vraiment une tête de merde quand même. Je dois vous l'avouer. Donc le Yap a pris un peu de dégâts. La recrue. Ouh là 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 là, mais la vache! Oh, énorme! Mais comment je vais faire? Je vais peut-être essayer de le remettre carrément là-bas, non? Non. Non, parce que sinon. Ah non! Putain, il a son sort. Est-ce que je peux le debuff? Ouais. Ouais, je vais le pousser au pire à la fin. Alors. Oh, la vita de mon zozo, j'avais même pas capté. Là, je le remets dedans. Pourquoi il fait tout exploser? Allez, remets. Non, mais. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con! Non, mais c'est. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il est con! Franchement, j'ai. Oh, j'ai rarement vu ça. Bon, on va dire qu'il est bloqué. Je vais peut-être le laisser comme ça, du coup. Puis je vais me full booster. Ouais, mais faut que je lui kick des PM. Ça risque d'être un petit peu dur. Ouais, extrêmement dur. Je vais me dire en Diago. Bah non, absolument pas. Kick de la PO, même si ça sert strictement à rien, j'ai l'impression. Est-ce que mon Zobal tombe? J'espère pas. C'est plutôt tendu finalement comme combat. Je pensais pas que ça allait être aussi. Ok, Zobal tombe. Pourquoi pas. Hein. Sur moi, ça me dérange pas. Ouais, oh, il est même pas vulnérable, c'est un truc de malade. Je sais même pas comment je vais pouvoir le gérer, c'est tout. Je sais pas. Je vais essayer d'invoquer des trucs de merde pour lui faire plaisir, sans doute. Ok, tu peux pas tirer ta petite. Non, bah non. Et puis plus à 1700, c'est pas mal. Il veut pas que je lui kick des PM, je sais pas. Il faut que mon Yop reste en vie. Ce qui va être très dur. Très très dur. Pas qu'il tue mon Yop. Ne tue pas mon Yop, c'est lui qui a la coco. Ok, il le tue pas. Plus il s'approche, tant mieux. Par contre, la recrue. Un petit peu en mauvais état, non? Toujours vu. Par contre, oh là là, les raises, hallucinant. Allez, on va essayer de roxer. Qu'est-ce qu'elle va faire? La recrue, est-ce qu'elle va s'auto-tuer? J'ai peur, hein, des fois, je me dis. Là, ok.
Non, tu voulais pas poser une bombe ici, bon. Non, mais pourquoi pas, de toute façon. Ça va être tendu avec le Yop, hein. Ça va être vraiment tendu. Ah, merde. Bon, là, je dois vous avouer, énorme fail. Ouais, j'ai pas kické les PM avant, je suis con. Est-ce que le putsch est nécessaire? Allez, un petit putsch. Coco, ouais, ça passe. Large. Coco à 5000, à l'aise. Et puis, oh, oh là là, la destruction. La destin plutôt. Elle tombe plutôt bien. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça sera sur. Ça sera sur quoi déjà? Je sais même plus, ouais, ça sera sur mon histoire de A à Z, la partie 2. Cette fois-ci, la partie 2 sera différente de la partie 1, car je ne crois pas que je vais commenter. En fait, je vais faire tout ça en musique avec. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Elle sortira quand? Franchement, je sais pas. Elle peut sortir sans doute la semaine prochaine. Peut-être ce week-end, c'est vraiment pas sûr. J'en sais absolument rien. Ça dépend en fait si je vais réussir à tout faire parce qu'il va falloir que je prenne énormément de clips. Je compte faire ça en 3 minutes, enfin entre 3 et 4 minutes. Voilà, bon, sinon c'était Joystick. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.